passé là-bas par rapport à ce drame qui touche des jeunes gens, qui touche des amis, qui gèrent en plus cette salle, donc le Bataclan, et puis tout ce que ça implique derrière, quoi. Donc ça a changé beaucoup de choses dans mon métier. D'abord, ça a changé, on redouble au niveau de la sécurité et des choses qui sont prises en compte. Donc les fouilles sont plus longues, il y a plus de monde pour la fouille, on fait ouvrir les manteaux, on vérifie beaucoup de choses. On a fermé le site, c'est-à-dire le site qui était ouvert la journée, maintenant est fermé et contrôlé en permanence. Donc voilà quoi, on fait en sorte que les choses se passent le mieux possible, sans trop de présence non plus trop violente, je dirais, au niveau du public, quoi. Donc il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit pas, mais qui sont mises en place. En ce qui concerne la police et l'armée à l'extérieur, on fait des demandes systématiques, donc on n'a pas toujours les éléments qu'on souhaiterait avoir, mais parce que nous ne sommes pas les seuls aussi à fonctionner dans cette ville, mais enfin on fait en sorte qu'il y ait le plus de sécurité possible par rapport aux spectateurs, que les gens se sentent en confiance sans non plus être trop traumatisés par les mesures qui sont en place, qui coûtent cher aux organisateurs, qui coûtent cher à la halle. On partage un petit peu ces frais-là, mais c'est quand même très important. En termes de fréquentation, il y a eu une baisse immédiate après les attentats. Je pense que Paris est beaucoup plus impacté que Lyon, que la province. Là, les concerts sont quand même repartis, on va dire, à peu près normalement, en termes de remplissage, quoi. Donc je pense que les gens ont compris qu'il ne fallait pas arrêter, au contraire, qu'il fallait montrer une détermination à venir au spectacle et à se divertir. Donc c'est vrai que ce sont des événements terribles, et j'espère, et je croise les doigts, pour que les choses s'adoucissent dans les semaines et les mois qui viennent, quoi. Il n'y a pas de compétition entre un stade de 60 000 places et une salle de spectacle. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, les tournées partent sur la route, et les artistes partent sur la route, soit avec une production adaptée à des salles, soit adaptée à des stades. La concurrence, elle n'est pas significative, puisqu'a priori, les artistes qui veulent faire une grande salle viennent avec un matériel adapté et ne vont pas pour autant dans un stade si la ville propose un stade. Donc je pense qu'on peut plus parler d'émulation et du fait qu'on espère qu'on va parler encore plus de notre ville via ce nouvel équipement. Autant quand on parle de concurrence avec une nouvelle salle qui pourrait naître à Villeurbanne par rapport au basket, quoi que ce soit, là on peut parler de concurrence réellement. Autant par rapport à un stade, je ne pense pas qu'il ne serait pas honnête de notre part de dire que c'est une nouvelle concurrence pour moi. C'est quelque chose de complémentaire par rapport à l'offre que présente la ville.